Donc, en tant que sociologue, je suis amenée depuis plusieurs années à travailler en collaboration avec les gestionnaires d'espaces naturels. La problématique saillante actuellement est cet enjeu de fréquentation et plus exactement de sur, voire d'hyper-fréquentation. L'apport de la sociologie sur cette problématique-là est de pouvoir mettre en regard une fréquentation qui est mesurée, c'est-à-dire compter le nombre de personnes, éventuellement spatialiser leur présence, et mettre en regard cette mesure avec une fréquentation qui est perçue. Perçue par les visiteurs, perçue par les riverains, par les professionnels, mais aussi perçue par les gestionnaires et par les scientifiques eux-mêmes. Plusieurs enquêtes sociologiques ont montré comment il pouvait avoir un décalage entre une fréquentation mesurée et cette fréquentation perçue, car entrer en jeu des filtres cognitifs, culturels et aussi des enjeux sociopolitiques qui amènent en fait à voir différemment une même situation de fréquentation.